J'espère que tu vas bien aujourd'hui, petit challenge entre nous, puisque hier soir sur Instagram en story, je vous ai demandé de me dire ce que vous voudriez voir dessiné sur mon crâne. Cette idée ne vient pas de moi, elle me vient d'une très gentille abonnée qui m'a dit: et pourquoi tu ne dessinerais pas sur ton crâne, Florence? Et moi, comme une personne totalement sensée que je suis, j'ai fait bah oui, bonne idée. Donc je vous ai demandé de me challenger avec des choses à dessiner sur mon crâne. Il n'y a pas grand chose hein, parce que je l'ai quand même posté assez tard. Et puis j'ai pas encore vérifié mes autres messages. I'm the worst. Alors avant toute chose, je voulais te remercier petit Wistiti PQTAM, puisque nous sommes à présent 55 000 abonnés sur ma chaîne. 55 000. What the fuck, man? Il y a quoi, 5 jours, on était 47 000 et on avançait plus. Ça faisait genre un mois qu'on était en train de fucking stagner à 47 000 et j'étais en mode hey, ma chaîne c'est de la merde. Et maintenant en 5 jours on est passé de 47 000 à 55 000. Je suis en mode mais oui. Du coup bah forcément je suis extra contente. Je crois que vous imaginez pas à quel point, parce que passer le cap des 50 000 abonnés c'était un truc que j'imaginais pas possible en fait. En tout cas pas là maintenant, je pensais que ça prendrait des mois et des mois pour passer le cap des 50 000 et finalement ça n'a pris que quelques jours. Voilà, c'est absolument génial. Donc je suis extrêmement contente et je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur avec cette incroyable vidéo qui est je dessine sur mon crâne aujourd'hui pour vous. Quelle incroyable façon de remercier tes abonnés. Et... ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est une touffe de cheveux rasés. C'est dégueulasse. Ça y est, j'ai vomi. Bon alors, me voici dans le petit coin artistique de mon fond vidéo, puisque c'est ici que nous allons dessiner. Et on va piocher le premier dessin. Sur quoi vais-je tomber? Serait-ce un brocoli? Serait-ce une feuille de printemps? La pression est à son comble. Oh, respire. Et c'est à l'envers. C'est un Wistiti! Incroyable! C'est un Wistiti, mon petit Wistiti, regarde-moi ça! C'est incroyable! Tu ne le verras jamais! Voilà! Bon, et eh ben je sais pas du tout comment on dessine un Wistiti. Non, c'est pas très pratique en fait dans ce sens-là. Je vais mettre. Ben en fait, c'est pas pratique du tout parce que je ne vois rien! Un Wistiti. Ah oui, je vous ai pas prévenu, en fait, je ne sais pas dessiner. Je ne sais vraiment pas dessiner, je suis très nulle. Et apparemment, ce marqueur aussi est très nul, donc je vais prendre une autre couleur. Mais ça va être dégueulasse, hein, j'en suis vraiment désolée pour vous, ça va être moche. Un Wistiti. Une bête. Bon, bah très bien, on va prendre de la peinture si c'est vraiment ce qu'il faut. Ah, quel personnage intelligent je suis! En plus, j'ai plein de liners différents, ça va être génial. Je crois que je vais commencer avec celui-ci. Non, pas celui-là. Celui-ci. Oui, ça c'est bien. Put a wing on it. C'est parti, on va faire un petit linge maintenant. Allez, c'est parti, Florence. On dessine un Wistiti. C'est hyper dur en plus, mon crâne est plein d'huile. Ça a des grandes oreilles, un Wistiti, on est d'accord. Putain, on dirait une souris! On dirait une putain de souris! En plus, je dessine en miroir, c'est hyper dur à faire. On va lui faire une queue. J'ai un liner pour faire des points, c'est génial. Sauf que je suis trop nulle, du coup j'y arrive pas. On va lui faire les petites oreilles là, des petites mains. C'est laid. Et il faut lui faire des grands pieds crochus, hein. Ça a des grands pieds crochus. Est-ce que vous avez vu cette œuvre d'art incroyable? Putain, on est mal barré les gars, c'est déjà un Wistiti, un petit singe, c'est supposé ressembler à ça. Oh mon dieu. Oh, pourquoi ma vie? Suivant, maintenant nous savons que je ne puis piocher le Wistiti. Mais que vais-je donc piocher? Dans ce petit pot magique contenant toutes vos idées incroyables de dessin. Voldemort! Mais oui! Tellement easy! On est mal barré. Je devenir le professeur Quirrell! Quel beau gosse! Quand j'ai revu Harry Potter 1, je me suis dit, mais what? C'est quoi l'enroule? Genre, pourquoi il a un nez, Voldemort, dans le 1? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, quand il est tout faible, il a un nez, et quand il est tout fort, il a plus de nez. Genre, où est la logique, mon gars? Normalement, t'es supposé avoir tous tes attributs physiques quand t'es fort, pas quand t'es faible, ça a pas de sens! C'est parti pour devenir le professeur Quirrell. On va commencer. En plus, je ne vois rien. Donc, comment je vais réussir à faire ça? C'est pas possible. Il faut que je fasse des yeux evil. Ah mon dieu, j'en peux plus de ma vie. Le pire c'est que là je vais clairement pas voir le résultat hein, parce que je peux vraiment rien voir. Donc je sais pas ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'est ça qui est chiant parce que vu qu'il a un nez, comment on est supposé savoir que c'est vol? Putain, les yeux sont hyper rapprochés mon gars. Il a un nez, il a des narines apparentes et il a une sale tronche. Hop, ça devrait le faire. Il a une cicatrice ici et il a des sillons nasaux. Ah oui, il a aussi des grosses cernes. Voilà, il a ça. Il n'est pas gentil. Nickel. What do you see? Ah.
do you see? Harry, tell me, what do you see? Oh, j'ai fait tomber un bébé par terre. Pardon. Alors, qu'est-ce donc? Ah, un brocoli. Ça, c'est facile à faire, un brocoli, hein. On est d'accord. Putain, mon gars, on dirait un pommier, genre, on dirait tellement pas un brocoli. Une licorne avec des paillettes. Challenge! Ça va être easy. Ça ressemble à ça. Non, je me suis trompée de sens, putain, c'est trop dur de faire... Ah, au secours, je vais pas dans le bon sens. Non, je vais aller par là. Je vais aller par là. Oh, putain, c'est trop dur de dessiner en miroir, mon gars. On dirait un petit chien. Bon, je vais lui faire une corne. Je vais lui faire des cheveux. Putain. Ah, c'est à l'avant de mon visage, c'est pour ça. Bon. J'ai l'honneur de vous présenter ma licorne. Vous me demandez une licorne et tout ce que j'arrive à vous faire, c'est un putain de chouchou. Mais sans déconner, si c'était un chien, ce serait bien fait, hein, oui. S'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi que ce serait bien fait si c'était un chien. Dites-moi en commentaire. Je suis tellement déçue de moi-même. Alors, on a un cheval. Super. Un cheval, ça a des petites oreilles, ça a une petite tête comme ça. Merde, je vais dessiner sur ma tête en fait là. Oui, ça a un corps avec une queue incroyable. Oui, je suis un cheval, j'ai plus de cheveux que toi. C'est réussi. Ben nickel, hein. Je vais sortir comme ça. Un flamant rose. Ça ressemble à quoi un flamant rose en fait? Un flamant rose, ça a une tête. Je crois que ça a un bec. Puis ça a un corps et des longues pattes et des petites ailes. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est un flamant rose? Eh ben ça valait la peine de faire les arts à l'école, hein, Florence. Trump. Eh ben vous savez ce qu'on va faire? On va faire une mèche à Voldemort et ça fera Donald Trump parce que dans tous les cas je peux pas faire mieux. Une mèche de cheveux. Voilà. C'est Donald Trump. Un caca. Oh, je suis trop contente, je fais hyper bien le caca. J'ai hâte de vous montrer mon talent. Évidemment, sur un crâne, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et une petite mouche. Il y a du level. Une tub. J'adore ma vie, c'est super. Bien, je vais me dessiner une grosse tub. Oh, j'arrive pas à voir ce que je fais. Nya. Avec des petites veines. Quel talent incroyable, mes amis, quel talent. Des petits poils sur les couilles, tout ce qu'on aime. Ce qui est génial, c'est que je vois pas du tout à quoi je ressemble. Parce que forcément, je peux pas voir mon crâne. Il y a que vous qui poussez voir ça. Franchement, vous avez une chance inouïe. Moi aussi, j'ai envie de voir. Je ne vois rien. Oh, il me reste encore de la place ici. Allez, on en fait un dernier. Je ne serai jamais autant ridiculisée en vidéo. Un vernis. Oh, ben voilà, le meilleur pour la fin. Le petit vernis. Est-ce que ça ressemble à un vernis ou pas? J'ai l'impression que ça ressemble pas trop à un vernis. Oh là là, oh, j'ai trop mimi. Oh oui. Où est-ce que je vais mettre mon petit cœur? Bah, à côté de la bite, évidemment. Incroyable, mais vrai. Cette youtubeuse fait n'importe quoi. Tada! Mes amis, quelle laideur. Oh putain, j'en ai marre de ma vie. Je crois qu'on vient d'inventer le challenge le plus nul de l'histoire de YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez me voir dessiner sur mon crâne. N'hésitez pas à mettre un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mon Instagram, absolument génial. Sur le côté ici, là, ça c'est le .dalia.rose. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, mon petit mistiti, je te fais de gros bisous. Je te remercie encore une fois de t'être abonné à ma chaîne. Pour te remercier, tu te situes ici. Tu es ce très bel animal voluptueux dessiné avec talent. Je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand dans n'importe quoi comme vidéo. Salut. Pink fluffy unicorns dancing on rainbow.